Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Charles. Lors de cette séance, on va découvrir les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Alors pour commencer, c'est avec envie que je pense à qui? À quoi? À mes premières années. Je crois ne m'être jamais ennuyé. Les étoiles scintillaient. Je me promenais insouciant dans le parc de l'hôpital. Je me souviens que j'étais souvent en retard. C'est bien. Alors, c'est à partir de ces phrases qu'on va découvrir les verbes transitifs et intransitifs. Alors, qu'est-ce que c'est verbe transitif et verbe intransitif? Certains verbes se construisent sans complément. Sans complément d'objet, sans complément en général. Le verbe avec son sujet suffit pour réaliser l'action. Ce sont les verbes intransitifs. Alors, les verbes qui se construisent sans complément, on dit ce sont des verbes intransitifs. Alors, en arabe, on dit af'al lazima. Le temps filait, le temps passait. C'est bien. Certains verbes, au contraire, expriment une action qui s'exerce nécessairement sur un objet. C'est-à-dire, il y a des verbes qui admettent ou bien qui exprime une action, voilà, d'accord, qui s'exerce sur un objet. Objet qu'il faut préciser. Ces verbes doivent donc être complétés par un complément d'objet. Ce sont les verbes transitifs. C'est bien? Je revois les paysages de mon enfance. Je revois quoi? Les paysages de mon enfance. Parfois, le complément d'objet d'un verbe transitif n'est pas précisé. Par exemple, je lis, il pense. Alors, je lis quoi? C'est bien. Il pense à quoi? Pour trouver le complément d'objet d'un verbe, il suffit de poser la question sujet-verbe plus à quoi, de quoi, ou bien qui. Rappel, les verbes d'état n'ont jamais de complément d'objet dit direct. C'est très bien. Alors, les verbes transitifs directs et les verbes intransitifs indirects, pardon. Les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Alors, si, pardon, voilà, c'est ainsi. Alors, si le complément d'objet se construit directement après le verbe, c'est un complément d'objet direct. Le verbe est alors transitif direct. Alors, un verbe transitif direct, c'est un verbe, voilà, qui admet un complément d'objet direct. C'est bien. Par exemple, voir quoi? Quelque chose. Si le complément d'objet est introduit par une proposition, à, de, en, etc., c'est un complément d'objet indirect. Donc, on dit le verbe est à l'heure transitif indirect. Se souvenir de quelque chose. Il pense à, penser à ses amis. Donc, c'est un verbe transitif indirect. Donc, le verbe transitif, soit, d'accord, il est complété par un complément d'objet direct, ou bien il est complété par un complément d'objet indirect. C'est très bien. Certains verbes se construisent avec deux compléments d'objet. Le deuxième, voilà, complément
toujours complément d'objet indirect. Il est appelé complément d'objet second. Si on trouve sur la même phrase deux compléments, le premier, il est toujours complément d'objet direct. Le deuxième s'appelle complément d'objet second. J'ai demandé son avis à qui? J'ai demandé son avis à mon frère. Je lui ai demandé son avis. Lorsque le complément d'objet indirect est un pronom ou une proposition, la préposition n'est pas toujours visible. Voilà. Je me souviens que j'étais souvent en retard. Voilà. Je me souviens de quoi? C'est bien. Je me souviens que j'étais souvent en retard. Je m'en souviens. La préposition s'entend alors dans la question. Je me souviens de quoi? Lorsque le complément d'objet direct est un verbe à l'infinitif, il peut être introduit par la préposition de. Je vous demande de sortir. Je vous demande quoi? De sortir. La préposition disparaît dans la question. Je vous demande quoi? Un même verbe peut parfois se construire, c'est bien, de manière transitive ou intransitive. De manière transitive directe ou indirecte. Il change alors de sens. C'est bien. Cela tient. Cela tient. Je tiens ma promesse. Je tiens à lui. Alors, d'une façon transitive ou intransitive. De manière transitive directe ou bien indirecte. C'est bien. Cela tient, tient, cela tient. Donc ici, cela tient, c'est un verbe intransitif. Il se construit seul, sans complément. Ici, je tiens ma promesse, transitif direct. Je tiens à lui, transitif indirect. Et c'est ainsi que s'achève cette séance, ou bien cette leçon qui était consacrée au verbe transitif et intransitif.